Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Non, Bella, c'est pas possible. On l'a refait parce que là, je suis dehors de la maison et normalement, c'est ici. Voilà, ça y est. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mysticious Play. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et aussi d'utiliser mon star code Mysticious pour me soutenir lorsque vous achetez des Robux. Et vous savez que Bella et moi, on vous adore, ma team Mysticious. Et merci à beaucoup d'abonnés qui ont une chaîne au nom de Mysticious. Fan de Mysticious, fan de Mysticious Play, merci, vous êtes très très nombreux et nombreuses, donc j'ai juste un mot à vous dire, merci beaucoup. Je regarde vos vidéos, je commente, enfin j'essaye de commenter, très rarement c'est vrai, mais je regarde en tout cas vos vidéos et merci beaucoup, ça me fait très très rire vos vidéos, honnêtement elles sont marrantes, mais voilà, je peux pas vous commenter tout le temps, mais en tout cas sachez que vous me soutenez et ça me fait juste trop plaisir, donc merci à tous, Bella et moi et toute la famille Mysticious, on est très 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 contente. Ok, du coup Bella a envie de dormir, la vidéo ne parle pas de Bella aujourd'hui, elle ne parle ni de Marie, ne vous inquiétez pas, il y aura la suite des aventures de Marie et Léa. Aujourd'hui je vais vous parler d'un événement qui a été vraiment très très bouleversant. Sur ma chaîne, il a un petit peu changé ma chaîne, ce n'est plus la même on dirait. Donc j'ai envie de vous parler du temps où ma chaîne a été hackée. Franchement, je suis, comment vous dire, dégoûtée, je sais pas si ça se dit, mais j'étais vraiment très très triste. Ce jour-là, ça a duré un mois et en ces un mois, j'ai reçu quand même pas mal de commentaires. Pas mal de commentaires positifs, rassurez-vous, mais il y avait aussi peut-être quelques commentaires négatifs qui me disaient que j'avais fait exprès en fait de vous dire que je me suis fait hacker mon compte alors que c'est pas vrai. Ils m'ont dit ça, franchement ça me faisait mal au cœur. Comment ils peuvent savoir que tout ce qu'ils disent bah, c'est faux et ça peut blesser quelqu'un. Donc voilà, beaucoup de personnes m'ont dit pourquoi c'était ta chaîne qui a été hackée et pas la chaîne d'un autre youtubeur un peu plus grand. Alors ça aussi je vais vous dire, c'est parce que ce jour-là, le 7 octobre, j'ai en fait téléchargé, j'ai cliqué sur un lien qu'il ne fallait surtout pas cliquer dessus. J'ai cliqué dessus, on était à peu près vers 16h. Ensuite, à minuit, même pas à minuit, à 1h du matin, j'ai reçu un message de Google qui me dit que votre adresse Gmail et votre YouTube a été bloqué parce que un autre utilisateur a essayé eh bien, d'accéder à ma chaîne. Donc, ils ont bloqué la chaîne Mysticious Play, Mysticious Paris qui était attachée avec la chaîne Mysticious Play, mais Miss Bella a été hackée, il a réussi et Google bah, en fait, n'a rien pu faire. Donc, j'ai essayé, moi, de mon côté, de modifier le mot de passe. J'ai réussi pour Miss Bella, mais pour les chaînes Mysticious Play et Mysticious Paris, je n'avais pas accès. Donc, je ne pouvais du coup pas vous répondre aux commentaires. Donc, le sujet de la vidéo, je pense que c'est bon, j'ai répondu quand même à la question. Est-ce que j'ai fait exprès? Comment je me suis fait hacker et pas d'autres youtubeurs, pas d'autres chaînes YouTube? Bah voilà, tout simplement, c'est lorsque tu cliques sur un lien qui concerne le piratage, bah tu rentres dans leur piège et c'est ce qui s'est passé avec moi. Cette fois, ça y est, ça m'a servi de leçon. À partir de maintenant, je ne clique sur aucun lien, je ne télécharge pas n'importe quoi. Donc maintenant, c'est fait, je ne fais rien de bizarre qui pourrait en fait changer tout sur ma chaîne. Voilà, j'ai eu très peur, mais là ça va, c'est bon. Je pense que vous savez tous que j'ai récupéré ma chaîne. Alors, on va vous parler maintenant. Bella a besoin de faire beaucoup de choses. Des commentaires, parce que vous étiez très nombreux à me laisser des commentaires. Beaucoup ont répondu à ma place, parce que je n'avais pas accès à ma chaîne YouTube. Ils ont répondu que ma chaîne a été hackée. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas aussi que ma chaîne a été hackée. Ça, c'est vraiment trop bizarre. Surtout lorsque vous savez que je publiais quand même 2 vidéos par jour. Donc voilà, ça m'a un petit peu choquée pour ça. Mais ça y est, je vous présente enfin les commentaires qui ont été lâchés ce jour ou même après le 7 octobre. Oui, je me rappelle très bien de la date et j'ai récupéré ma chaîne ben, le 7 novembre, un mois après. Vous vous rendez compte? 2 dates, 2 jours mémorables pour moi. Alors c'est parti, on va lire les commentaires. Alors, donc les amis, voici la dernière vidéo que j'avais publiée avant de me faire hacker. Alors, un vétérinaire kidnappe des pets sur Adopt Me. Alors, dans les commentaires, voilà, je pense qu'on va lire, voilà, dès qu'elle est sortie. Bon, ça je l'avais épinglé, c'est peut-être pour ça
que ça ne parle pas de hackage, mais sinon regardez, petit message du 12-10-2020 pour le hacker qui a piraté Miss, pour ceux qui ne le savent pas. Hacker redonne sa chaîne à Miss, nous, on s'ennuie, au moins rends-lui son contre-blocks, likez pour que tout le monde voit ce commentaire. Merci beaucoup Kamzou, je vais liker ton commentaire. Et pas mal de commentaires, oh my god. Sur son commentaire, tu as grave raison, à bas les hackers. Franchement, merci pour votre soutien, ça me fait juste trop plaisir. Rends-lui au moins son compte YouTube. Voilà, et là nous avons une autre, Gacha Boy Dev. Elle s'est fait hacker, likez mon commentaire pour que tout le monde le voit. Donc voilà, là aussi, c'est pas mal de personnes qui ont liké et qui ont quand même répondu. Voilà, donc là c'est pareil. Elle s'est fait hacker, regardez sur la chaîne Fafa. Les amis, Miss a perdu sa chaîne, elle essaye de la récupérer en ce moment. Elle a fait une autre chaîne avec sa fille Princesse. Allez la voir s'il vous plaît pour la soutenir. Merci Cyrine et Roxy. Je like ton commentaire 4 mois après, quand même. Et sur la chaîne Miss et Princesse, oui, j'avais créé la chaîne Miss Princesse. Le temps bas de récupérer ces chaînes-là. Et on est, les amis... C'est vraiment incroyable, mais on est 50 000 abonnés sur la chaîne Miss et Princesse. Oh, c'est énorme. Et ça aussi, c'est vous qui m'ont dit dans un commentaire. Et c'est juste choquant, en fait. Merci. J'ai pas d'autres mots, les amis. Juste merci. Ou peut-être ajouter 1000. 1000 merci. Sinon, nous avons dégagé de la chaîne de Miss. Léa Gacha qui dit de la chaîne de Miss, on s'ennuie. Allez, c'est pas grave, s'il te plaît, pauvre Miss. Merci beaucoup, Léa Gacha. Please at least leave the account. Oh my god, c'était en anglais. Oh, anyway. Oh my god, merci beaucoup. Vous êtes beaucoup à me soutenir, mais là, des anglais, merci. Ensuite, bonjour, bonsoir, chers abonnés de Miss. Miss vient de se faire hacker. Vous pouvez bien voir déjà, elle a pas de photo de profil. Oui, c'est vrai, ma photo. Je sais pas pourquoi Google avait carrément bloqué mon compte. J'ai pris quand même un mois pour le récupérer. Elle poste plus, c'est très grave. Donc, allez voir la chaîne Fafa Gaming. Au revoir, merci beaucoup. Ensuite, apparemment, tu as retrouvé ta chaîne, Miss Issues, c'est la baisse, merci. Oui, un mois après, c'est vrai que j'avais retrouvé ma chaîne. Oh my god, Miss, je suis choquée. En fait, je me suis dit, pourquoi je reçois plus de notifications de Miss et j'ai vu plein de vidéos d'autres youtubeurs que tu t'es fait hacker et je suis triste. Pauvre toi, j'espère au moins t'es pas trop triste. Bah moi, oui, trop. Merci beaucoup. Anon, rip chaîne de YouTube, Miss Issues Play. Et hacker, t'as rien d'autre à faire dans ta vie que de saouler tout le monde. Redonne-lui sa chaîne, tu viens de lui voler un an de sa vie. Elle a plus rien. Oui, c'est vrai, les amis. Notre chaîne a un an aujourd'hui, les amis. Miss Issues Play, ça fait depuis un an que je l'ai créée. Donc, les amis, merci beaucoup à vous. Franchement, ça fait juste trop plaisir. Un an avec 187 000 abonnés. Waouh! Alors ensuite, Miss, j'aimerais juste faire passer un message de hackers qui ont hacké Miss. Je vais d'abord liker Lou Chanel. Rendez-lui ses comptes, ce que vous avez fait, c'est injuste. Oui, c'est vraiment pas bon en fait, les amis. Miss vous a rien fait, à ce que je sache, Miss n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Elle n'a jamais insulté des gens, donc ce que vous avez fait est dégueulasse. Vous n'avez pas le droit, la pauvre, elle s'est fait hacker tous ses comptes. Soyez compréhensif envers elle, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Lou Chanel, pour ton soutien. Information importante, sa chaîne, Miss Issues Play et Paris et hacker. Pour la soutenir, abonnez-vous à sa chaîne. Merci beaucoup, Lina Steel. Why you scam and hack account in Instagram? Là, c'est pas moi. Miss don't scam. Alors là, c'est vraiment parce que il y a des personnes qui utilisent mon nom pour scammer, pour arnaquer carrément des Anglais. Vous vous rendez compte? Des Anglais utilisent mon nom pour arnaquer des pets. Et je suis connue pour ça aussi, apparemment. Et franchement, c'est juste trop bizarre. Je sais pas. Pourquoi ils font ça, les gens? Ensuite, oh my god, Miss, ta chaîne, oui, ça y est, je l'ai récupérée, je pense que vous le savez. Après, pourquoi tu fais plus de vidéos? Sinon, force à toi. Bah, je m'étais fait hacker. Le hacker ou de les comptes envoie un message sur YouTube, je veux te parler, le gamin de 12 ans, you is English. Tu t'es vraiment fait hack ou pas? Je viens de voir la vidéo de Fafa. Oui, hélas, je me suis fait hack. Toi, oui, toi, écoute, pourquoi tu as fait ça? À quoi ça sert d'hacker des comptes? Je comprends pas, t'as besoin de quoi en fait? Bref, réfléchis bien, un jour ça va te retomber dessus. Le karma, tu verras. Oh, heureusement, tu as récupéré ta chaîne. Je suis déçue pour ton hacker. Merci beaucoup, les amis. Oh my god, et j'en passe. Il y en a tellement des commentaires, les amis.
Je comprends pas aussi pourquoi les gens arnaquent, et pas que les chaînes, hein. Ils arnaquent même des pets. Vous voyez mes séries, ce n'est pas vrai. Dans la vraie vie, je n'arnaque pas de pets. Au cas où, si quelqu'un vous dit que oui, ça m'a arnaqué, non, j'ai pas besoin d'arnaquer, j'ai presque tous les pets dans mon inventaire. Je crois que j'ai pas besoin en fait que d'arnaquer quelqu'un. Et à quoi ça me servira en fait, tout simplement? C'est du virtuel les amis, donc jouez, amusez-vous, mais n'arnaquez personne, ça ne sert à rien. Jouez et vous verrez avec le temps que vous aurez à peu près tous les pets. Comme moi, en un an, j'ai presque toute la collection. Moi, en tout cas, je suis trop contente. Et c'est aussi grâce à vous, merci en tout cas de m'avoir toujours soutenu, liker mes vidéos, les regarder. Déjà, pour moi, c'est énorme de vous abonner. Alors là, merci beaucoup. Vous me donnez votre temps. C'est juste énorme. Donc voilà, les amis, je vous fais tous de gros bisous. Moi, Bella, elle a envie de dormir, boire, manger. On se dit, nous, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut tout le monde. Thank you.